Bonjour les amis, de retour avec un nouveau épisode de notre série Attila Total War, la renaissance de l'Empire romain. La dernière fois, nous avons conquis quelques parties du Gaule. Dans cet épisode, on essaiera de conquérir complètement le Gaule. Envoyer probablement cette armée pour conquérir la Bretagne et l'armée de notre roi après l'avoir consolidé avec les nouvelles unités d'aller conquérir l'Espagne ou au moins prendre les premières parties d'Espagne. Voyons voir, est-ce qu'on peut on attend le prochain tour pour le moment. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, on voit la gazon ici. On doit attendre probablement deux tours avant de bouger ici. Ici, je pense. Et c'est de même. Bon, voyons voir. Je me souviens pas la dernière fois. Est-ce que. Oui. Toi, tu pars où? Ici les bouge un petit peu vite. Voyons voir, ça augmente la culture. Voyons, à l'aise comme ça. Voyons voir ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux armes? Voilà. Est-ce qu'on peut pas attaquer? Voyons voir avec qui on peut attaquer. Ces gars-là. Ah oui. Je les ai vraiment bien. Est-ce qu'on peut... Ça. Ah oui, j'ai vraiment fait ces anciens. Voyons voir. Nous avons mené ce traité. Voyons voir. C'est beaucoup d'âge. Attendre un peu avant de briser. Jusqu'à avoir peut-être deux armées ici. Pour attaquer et protéger. On revient ici, on passe au prochain tour. De retour les amis, nous sommes pendant le du tour. Nous sommes attaqués par l'Espagne avec trois armées. Je pense nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 7. Ah ça c'est génial. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont. Ça sera peut-être un petit problème. C'est de là. Ah. Ils ont beaucoup de cavalerie. Le problème peut-être ce sera ces gars-là. Ah, je reviens quand on commencera la bataille, les amis. De retour, les amis. Ah, on commence notre bataille contre l'Espagne. D'après ce que je vois, leur premier groupe, le groupe le plus fort vient de l'avant. Voyons voir d'où vient. Ah. Et où notre chevalier? Ah. Bah, tu vas courir vraiment très vite ici. Que d'après ce que je me suis donné en fait, il y avait beaucoup plus de chevaliers. Voyons voir ici. Mais je pense qu'on va vraiment exterminer ces unités. Maintenant, voyons voir notre défense. Ce que j'ai fait pour la défense est vraiment simple. J'ai utilisé une unité pour. Défendre ici, je pense une unité de Vokata c'est pour défendre cette partie, mais en cas de problème j'ai laissé aussi
deux unités. Ouais. Comme ça. Dans cette partie, nous avons une unité de légionnaire plus unité de légio, unité de palatino pour défendre. Ici, nous allons utiliser le fameux tactique d'utiliser le javelin ici pour défendre. J'ai laissé deux unités de légio après que la première a fini d'utiliser ces javelins là, les autres vont prendre sa place. Je pense que je vais bouger cette unité jusqu'à ici. Et de même pour cesser pour gagner un peu de temps. Ouais, tu te mets en défense. Et voilà. Ah oui. Et aussi j'ai utilisé deux unités ici. L'idée c'est qu'on va l'utiliser pour attaquer de deux sens. On va ici pas encore attaquer. On revient de cette partie. Tu sors de ce pseudo, espérons que tu tireras avant que. Merde. De notre part, on a voulu attaquer, mais c'est pas un problème, on a assez d'unités. On vient ici, on va y voir. Allez, venez les amis. On donne l'ordre à ces gars-là pour tirer le javelin. Et bien. Ils ont perdu 10 hommes. Allez. Tu tues ça. Allez, l'autre volet. D'ici, je me demande vraiment ce que dans si quelqu'un te donne l'ordre d'attaquer une barricade avec les javelins aussi, d'où vous allez sur là. Ah, ça c'est mauvais. Ils ont assez de morale. Allez, ça c'est pour le moment. Venez ici. Un poste, voyons voir l'état de la barricade. Non, c'est pas très bien. Toi, on voit, tu défends ici, toi, tu défends ici, et toi, tu viens défendre cette partie, toi et toi, et ici. On voit ici comment ça marche. Ah, ils vont peut-être se charger. C'est bien. Ça a marché. Comment on va pouvoir protéger cette partie ici. On voit. Plusieurs unités attaquent. Beaucoup d'hommes. Alors, nous avons tiré presque 80. Et avec les tyramides, je pense que ici, dans les éléments de sang, c'est vraiment génial. Et ils ont déjà perdu. C'est génial. On
Si c'est sûr, si tu peux. Ah, ces unités sont mieux que les nôtres, mais nous avons pu les extinguer. J'aime vraiment ça. Comment il fait comme ça? C'est bien. En attendant vous deux. Vous allez venir ici. Je vais arrêter de tirer qui vient ici. Parce que on doit commencer de la défense de cette partie. Tout comme ça. Voilà. Deux. Comme ça. Tu vas te mettre en dessous d'eau. Ça. Pseudo. Et on pourra protéger ce place. Cette unité est vraiment merveilleuse. Ouais, elle coûte cher, mais elle fait son travail. Ouais, revenons ici. Ça marche. Parce que personne n'a attaqué ici. Mais l'armée de l'enfant vient juste d'arriver ici. Ouais, on va essayer. Je me souviens pas ce que nous avons vu ici. Tiens. C'est comme ceux qui ont une épée juste, ils ont. Allez, on te donne ça. C'est bon, on a perdu presque 21 ans. À 160, c'est pas mal. Ici, c'est défendu. Ce qu'on peut faire, peut-être, s'il commence à attaquer ici un peu plus, on peut bouger ses unités ici. Comme ça on pourra les attaquer de plusieurs côtés. Mais le problème c'est que je ne vois pas encore le cavalerie. Ce que je pense que je vais faire pour le moment, peut-être. Rien de spécial, ils vont faire bouger cette unité-ci pour défendre. Mais comment on était lancé? C'est une unité de cavalerie. C'est bon. Ouais, on voit, on a tué combien, on a tué presque 1000 unités. Nous avons presque perdu 120. Pas mal. C'est ce que je... Pas mal. On aurait pu faire mieux. On a dû pas perdre, bah, disons, les 14 ou 15 unités ici, mais c'est pas mal. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, peut-être. Je vais bouger cette unité ici. Comme ça, on pourra garder deux pas ici. Deux pas ici. Attendre un moment. Oui. Ah, nous avons déjà 4 ici. Ah, d'accord. À vous. Il y a un ici. Vous allez courir et vous allez défendre cette partie.
vous, vous allez courir pour défendre cette partie. Si toi, soit dit ce pseudo, allez, tu tires tes javelins. Allez, allez, allez. Merde. J'ai envie de tirer pendant la surprise. Ah, c'est génial. Ils ont perdu 10 ans. C'est pas mal. Vous. Et toi. Allez bouger jusqu'à ici. Si. Voyons voir. Vous deux. Vous allez utiliser. Mur de spire. Combien est-ce? Ils ont tiré 24. Comment ils les ont tirés? Je pense ici. On s'en fout pour le moment. Voyons-moi. Ici, pour ne pas avoir de problème, on va. Tu viens. Et toi. Oh, merde. D'accord. On va pour. Comme ça. Non. Cette position. Ah, peut-être qu'on va pas utiliser mieux de. Mais on peut même pas la mettre ici. On va utiliser juste une unité, une seule unité pour défendre cette partie. Je ne sais pas, peut-être un problème au niveau. Pour ça. Non. Tu te défends. Voyons voir. Ah oui, voyons voir. Merde. Ça va vraiment laguer ici. Je pense vraiment que je vais vous allez venir ici. Vous allez faire comme ça. Vous allez. Attends. Toi et toi. Vous allez venir. Ça, et toi, tu viens derrière. C'est génial. Toi, tu reviens tes soudes. Il y a encore des unités qui arrivent. C'est galant. C'est vraiment génial. La plus quelques tirs se frappent ici. Voyons voir au niveau de notre protection. Espérons que. Et j'aime cette animation. Qu'après le caillou frappe ici. Bon, on revient. Voyons voir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Si cette unité, je vais la bouger ici comme ça. Euh,
c'est pas vraiment facile de prendre le choix. Et toi, tu termines ton pseudo. Comme ça, la bataille ici devient un petit peu plus facile à maintenir. Ils ont tout dit combien. Pas beaucoup. La seule façon pour gagner pour le moment. Ça fait quelqu'un que la seule unité que je vois. Mais ça pas. Je ne sais pas. Ça c'est presque détruit. Pas du tout. Ils ont presque plus de munitions. Après ça, je vais bouger ces unités ici. Deux unités vont venir ici pour laisser une unité attaquer. Et cette unité, on attaque comme ça. On s'en fout. Les amis, vous allez bouger ici. Comme ça. Toi aussi, tu viens bouger comme ça. Toi, tu attaques ici. Vous deux attaquez ici. Allez, vite. Exterminer rapidement. On s'en fout de ces gars-là. Toi et toi, ne tirez pas. Vous allez venir ici. Donc, si tu ne tires pas, tu viens les aider ici. Je vais mettre sous l'eau. On utilise les attaques. Ça, non. Le bonus de la charge, peut-être. Non. Deux ans, le bonus. Mais on pourra les exterminer plus rapidement avec cette unité. Ouais, tu vas. Tu reviens. Tu viens ici, toi tu viens les aider ici. Toi et toi. Pour que les items nous emmènent des points un certain temps. Je le fais comme ça. Bon, je vais aller ici. Vous allez commencer à se préparer. Vous allez ici. Tu termines ta pseudo, toi aussi. Allez, exterminez-les vite. Ce que je veux faire, c'est ramener deux unités de légion pour attaquer ici et mettre deux unités pour garder de cette côté. Et non, maintenant que ça, non, ça et ça. Vous allez devenir une équipe. Fait comme ça.
Et vous allez venir attaquer ici. À toi. Et toi. Vous allez devenir une équipe. Et venir défendre ici. Ce qui reste. Ça. Vous deux, vous allez ici. Comme ça, on pourra défendre des deux côtés. Je crée voir unité. Le voir. Qu'est-ce qu'il en reste? Non. Oh, vas-y. Tu reviens, reviens. Qu'est-ce que tu es en train de. Viens ici. Tout prêt. C'est bien. Ça c'est où? Ça c'est ici. Ça c'est là. Vous deux. Nous défend ici. Toi et toi. Ok. Ce que je peux faire, c'est mettre ces deux là défendre ici et vous deux venir ici. Allez, je vais vous aider avec cette unité ici. Tu vas venir jusqu'à ici. De protéger cette partie. C'est bien. Pseudo. Ça va vraiment un sacré si ça marche. Et vite. Oh, but de détruire cette unité. Si vous avez votre temps, je vais attaquer ça. Aussi, vous attaquez. On va voir ce qu'on peut faire ici. Toi, tu viens ici, vite. Toi. Tu viens l'aider encore. Tu viens ici. Bien, bien, bien. Oui, si, oui, c'est vraiment génial. Mais exterminer un petit peu. Juste un autre volet. Allez, tu charges. Tu viens comme ça. Vous deux venez vite ici. Les attaques. Au flanc, espérons que ça marche. Ça a marché. Deux unités arrivant très vite. On a été extrême ça. Hop, tu attaques le général. Ça serait vraiment génial ce là. Bon travail, mon ami. Tu reviens ici. Yeah.
viens visiter ici. Toi, tu veux venir comme ça. Ça parle bien pour moi. Ce qu'on peut faire, c'est amener notre unité ici. Je vais aussi bouger ces deux unités ici. Toi, viens vite. Bon, en premier lieu, tu en moi pour protéger l'entrée. Toi, ne pas perdre cette unité. Tu charges. Bien. Tiens, reviens à ta place ici. Nous avons fait déjà là. Non, pas vu encore. Mais. C'est pas un génie si on fait déjà là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, elle a fait du bon travail. C'est bien. Je vais maintenant aussi juste protéger ici. Toi, tu viens l'aider comme ça. Toi, tu continues. Tu m'intéresses. Continue à garder. Je commence à voir. On ralentit un petit peu. Et vraiment, c'est pas un mauvais encercle, hein, mais c'est pas le meilleur aussi. On a perdu beaucoup d'unités dans cette unité. C'est comme s'ils ne nous attaquent pas. Qu'est-ce que ce sont les... On essaie de tuer le maximum. Ah oui, peut-être que nous allons tuer le général, ah, c'est ça. Ils sont pas assez vite. Nous allons tuer assez dans le pass. Nous revenons ici. Ça va commencer d'attaquer. Non. Bien. Toi aussi, tu viens les aider. Toi, tu reviens à ta place. Ici,
comme garde. Il y a juste ici le général. Toi, tu continues ton travail. Tu vas pour celui-là. Toi, tu vas pour celui-là. On va accélérer maintenant. Maintenant, ils ont la pénalité morale de l'armée perdue. On arrête juste un petit peu. Vous avez venu comme ça, toi aussi. Toi aussi, tu viens les aider. Tout ce que vous pouvez. Il reste quelques armes, mais quand nous avons gagné la bataille ici, c'est comme parce que c'est juste qu'on les extermine ici. Pour ces gars-là, les aides. Tous ces... Ah merde. Ils sont en train de perdre ici. Qui me tient ici. Perdu beaucoup d'hommes ici, c'est juste... Toi, mon ami. Tu viens ici. Pour la première fois, on va utiliser notre cavalerie dans cette bataille. Voyons voir. Le moral, à lui, il reste un petit peu. On n'a pas encore eu la pénalité de armée perdue. Ici. Ce que je peux faire, c'est ça. Vous allez bouger jusqu'ici. On va vraiment... Allez. Tu dois les tuer parce qu'ils ont vraiment tué assez. C'est ça, oui, j'ai les tué. Bah, c'est vraiment génial qu'ils ont venu à la fin, sinon ils ont pitié beaucoup de nos hommes. Bah, la cavalerie, maintenant, on va rendre avant sur eux. Vous allez gagner aussi un petit peu d'expérience. Allez, extermine cette unité. Tu vas pour l'autre. Vite. Allez. Pardon, c'est dans 8. Les... On n'a pas vraiment tué assez, ça c'est quoi? Allez, tu vas pour ces gars. Vite. Bon, on revient après cette phase d'extermination. Bah, c'est une victoire héroïque. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps pour voir cette victoire. Elles ont perdu assez d'hommes, je pense. Je pense que je vais aller pour rafraîchir nos guerriers. Comme ça, nous gagnons un petit peu de constitution. Ce sera peut-être mieux. Parce que je ne sais pas combien d'armées ils ont. Donc, on revient à la fin du tour. De retour, les amis. Maintenant, nous sommes au printemps.
dans ces deux tours. On le paie. C'est foutu. Deux Gaulois, il vient chaque fois attaquer. Le 3, il nous laisse vraiment nous laisse de l'espace et de temps pour reconstituer son armée. Non, non, non. Comme ça. On va utiliser l'attaque de nuit quand je viens de finir cette bataille de 30 minutes. Bon. On va faire juste comme ça. Génial. On l'occupe. Ready for battle. Voyons voir. Tu vas attaquer ce gars-là. On les extermine. Parce qu'ils m'ont vraiment emmerdé. On prend en constitution. Parce que le 3 n'a pas en constitution pendant tout deux tours. Et c'est allé vraiment loin. Le laisse comme ça. Cette légion va passer au niveau prochain. On lui donne ça. Notre héritier, on lui donne ça. Ça. Ouais. On a presque conquis le Gaulle. Je vais voir, je crois que nous avons eu une rébellion quelque part. Voyons voir. Non, pas ça. Ah. C'est fou. On s'en fout. Ah oui, la voici. Rébellion imminente. Ah, ici. Ça, c'est un. Ah. Toi, tu passes au prochain niveau. Toi, tu passes à ça. Se défendre, bah ouais, on va voir. Est-ce que ici est-ce qu'ils peuvent, oui, ils peuvent. Ça, c'est... On le laisse pour qu'on puisse bouger vraiment vite au prochain tour. Voilà. Non, mais ici. Je le défendre, donc on te bouge ici juste pour les renforcer un petit peu. Voyons voir, toi. Non, tu vas pour ça. Ah, donc tu viens à Genève. Tu attends. Et dans le prochain épisode, on va changer l'armée de notre empereur, attaquer ce qu'il reste du Gaulle, commencer à conquérir l'Espagne. Et avec notre héritier validé, c'est simple, de prendre cette partie de la Bretagne et vassaliser les autres. Peut-être qu'on va les libérer ces cités, je ne sais pas pour eux. Est-ce qu'on peut? C'est ça l'idée. Bah, au revoir les amis, à la prochaine. Au revoir.